Bonjour à tous, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Ça y est, j'ai laissé passer les fêtes de fin d'année et maintenant c'est l'heure du tirage au sort pour ce petit bouquin. Ça a été traduit par Yann Fachin, l'auteur c'est Christopher Schwartz et c'est un très très bel ouvrage. Je vous le conseille fortement, même si vous n'allez pas le gagner aujourd'hui, aidez cette jeune maison d'édition, ça fait pas de mal. Alors, ouais, c'est un petit prix, c'est 46 balles, certes, c'est un petit budget, surtout en ce moment dans ce contexte social, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, c'est ce bouquin à acheter. Alors bien sûr, il faut que ce soit un boiseux, hein, vous n'allez pas acheter ça à une couturière, vous avez le truc quoi. Donc, on va procéder au tirage au sort sur l'ordinateur, ça va se faire tout de suite. Ça y est, c'est parti, c'est le jeu concours des 10 000 abonnés de la chaîne de YouTube Créolinium. Donc, bah, c'est moi, hein, je pense que vous avez tous compris. Donc, je vais récupérer l'URL de la chaîne, qui se trouve bien sûr dans la barre de recherche, là où je ne sais pas comment ça s'appelle. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, ça, vous voyez, ça merde toujours un peu avec moi. Commande C, hop, et je vais sur le site qui va bien pour pouvoir tirer au sort la personne qui va gagner. Alors, il faut que je la retrouve. Sélecteur de commentaires, voilà. Donc, je colle l'URL de ma vidéo dans ce petit truc-là et je fais charger les commentaires. Alors, 341 commentaires. Il est temps de choisir un gagnant parmi les 368 utilisateurs uniques trouvés. Allez, c'est parti. Je ne sais pas qui c'est qui va gagner. Tirage au sort. Bmax, tu as gagné un bouquin des éditions du Vieux Chêne sur les établis. Félicitations à toi. Donc, bah, Bmax, tu vas recevoir ce fabuleux bouquin. C'est Yann, enfin les éditions du Vieux Chêne qui vont te l'envoyer directement. Ça ne transitera pas par moi, ça sera plus rapide. Et quand je vous disais que vous auriez le livre, enfin, le gagnant aurait le livre pendant les fêtes, bah, je m'étais pas mal trompé. Donc, bon, c'était un peu sûr en même temps, vu que je suis un petit peu à la bourre surtout. Donc, bah, félicitations Bmax, tu vas recevoir ça très rapidement. A bientôt les amis, c'était Franck de Créolinium.